Une Miss France musulmane? Nouvelle polémique sur l'élection en plein direct télévisé. Les propos d'Odon Vallet sur le plateau de Morandini Live a fait grand bruit. Dans un peu moins de deux semaines, l'élection Miss France célébrera ses 100 ans d'élégance et d'existence. Un anniversaire qui se fera dans des conditions particulières puisque l'édition 2021 du concours de beauté qui devait se tenir le 12 décembre, qui a été déplacée d'une semaine, note de la rédaction, devra composer avec la pandémie de coronavirus. La crise sanitaire ne permettra au comité Miss France d'accueillir du public dans la salle du Grand Carrousel du Puy du Fou. Ce jeudi 10 décembre, Jean-Marc Morandini recevait dans le Morandini Live plusieurs invités pour parler notamment du projet de loi sur le séparatisme. Alors qu'une question sur l'interdiction du port du voile pour les jeunes filles était posée, le spécialiste des religions Odon Vallet a réclamé une Miss France musulmane avant d'indiquer que Geneviève de Fontenay serait contente. Des propos qui ont agité le plateau, à commencer par l'animateur. On ne va pas élire une Miss France sur sa religion. Ça n'a pas de sens. On ne va pas demander aux Miss leur religion pour concourir, a-t-il dit. Pour moi, c'est une erreur. Une Miss France est élue parce qu'elle est jugée comme étant la plus belle, qu'elle soit bouddhiste, musulmane ou athée, a déclaré de son côté Laurent Jacobelli, le porte-parole du Rassemblement National. La religion n'a rien à voir là-dedans. Odon Vallet, excusez-moi, mais je pense que vous êtes à côté de la plaque. On ne va pas faire venir une Miss en lui demandant quelle est sa religion. On est à côté de la plaque, a repris le présentateur. Sylvie Tellier était sur le plateau de Touche pas à mon poste en novembre 2019. La directrice de Miss France avait visionné une vidéo montrant Sarah Iftekhar, une jeune étudiante, devenir la première femme avec un voile à participer à la finale de Miss Angleterre. Cyril Hanouna lui avait alors demandé si une Miss France voilée pouvait alors régner. Alors, prenons l'exemple de Miss Mayotte. Mayotte est un département où il y a une grosse communauté musulmane. Quand vous vous présentez à Miss Mayotte, généralement il y a un passage en maillot de bain. Ce que l'on fait, on respecte en fait les choix, les aspirations politiques de chacune, on leur permet de défiler avec un pareo. On n'oblige pas les candidates à défiler en maillot de bain, avait-elle indiqué. Maintenant, dans le cadre du concours Miss France, et d'ailleurs c'est dans notre règlement, on demande à chaque jeune fille de participer à toutes les phases du concours mais de façon identique. En fait on n'a pas envie que l'on fasse de la propagande politique, religieuse. On a un concours pour tous les Français. Une ancienne Miss France fait tomber le haut. Volume 90% press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts raccourci clavier enable et disable de play pause space augmenter le volume diminuer le volume avancer reculer sous-titre activer désactiver plein écran sortir du mode plein écran désactiver le son activer le son m'avancer pour 109 prochaine vidéo Clara Morgan fait une remarque à une chroniqueuse en plein direct 012.47 Facebook Twitter courriel LinkedIn lien https://www.public.fr/news/ une Miss France musulmane nouvelle polémique sur elle élection en plein direct télévise 166603 point d'interrogation div source égale que copier intégré inférieur à iframe src égale /= cdn vidéo.public.fr/ players/ juice key de 9 mayotchemti.html ydth égale 640 height égale 360 frame bordé égale 0 scrolling égale auto visage aux yeux complètement fermés, / iframe supérieur à copier automatique 180p 1080p 720p 480p 180p live 002.0001 2.0401 2.03 plus de vidéos 012.47 Clara Morgan fait une remarque à une chroniqueuse en plein direct 012.05 Jamel Debbouze dément les propos d'une journaliste. 002.38 Jean-Luc Rehrmann viré des 12 coups de midi. L'animateur sort du silence. 002.56 Johnny Hallyday, sa fille dévoile une photo inédite 072.48 Zapping, vexé,
René Melville quitte définitivement TPMP 01 2.03. La photo de Maddy Burciaga et Benjamin Sama dans une piscine fait exploser les compteurs 01 2.10. Karine Le Marchand fait une importante révélation au sujet de sa situation amoureuse. 01 2.04. Christina Cordula dévoile un nouveau look qui ne fait pas des tout l'unanimité. Fermée la rédaction. Sponsorisé. Contenu sélectionné. 34 cher Jean-Jacques Goldman a tout plaqué. Ses proches nous expliquent enfin la véritable raison. Train de sketcher. Sponsorisé. Contenu sélectionné. Annulaire. Locksmith of Wears. L'apparence actuelle de Mireille Mathieu n'a aucun sens. Locksmith of Art. Sponsorisé. Contenu sélectionné. Annulaire. The Modern Post. La voiture de Daniel Auteuil dévoilée au grand public. The Modern Post. Sponsorisé. Contenu sélectionné. Annulé. Sponsorisé. Contenu sélectionné. 34 chez 30 célébrités dont on ne se serait jamais douté qu'elles étaient homosexuelles. La 12e surprendra toutes les femmes. 34 chez sponsorisé. Contenu sélectionné. Annuler le cap. Photo, Nicole a disparu sur son lieu de travail. 20 ans plus tard, son frère fait une étonnante confession sur Facebook. Le cap sponsorisé. Contenu sélectionné. Annulaire. Locksmith of Wears. L'endroit où Lionel Richie vit à 71 ans vous rendra particulièrement triste. Locksmith of Arts. Sponsorisé. Contenu sélectionné. Annulé. Sponsorisé. Contenu sélectionné.